Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhic, on se retrouve pour un épisode de SNK de AOT 2 sur PlayStation 4. Vous êtes toujours plus nombreux à regarder ces épisodes et ça me fait plaisir. Je pensais pas, hein, franchement, que ce serait aussi foufou à regarder. C'est vrai que ça nous rappelle les bons souvenirs, hein, l'anime et tout ça. Je comprends tout à fait. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour continuer ce qu'on avait fait dans le précédent épisode. Vous vous rappelez, on avait capturé des titans pour Hanzi et ensuite on a cru comprendre que ces titans ont été tués par quelqu'un qui portait un équipement tridimensionnel. Et là, tu commences à te dire qu'est-ce qui se passe dans ce bordel, parce que tu sais clairement que c'est un de nous qui en est la cause. Mais on sait pas qui encore pour l'instant. On sait pas vraiment du tout, même si on peut se dire ouais, peut-être c'est lui. Mais pour l'instant, franchement, c'est impossible de se dire jusqu'alors. Après, on verra, hein, tout s'éclaircira. Et du coup, là, on va tester la transformation d'Eren, parce que bon, vu qu'Hanzi peut pas tester sur les titans ce qu'elle veut, elle peut au moins tester Eren, comment ça se passe quand il est en danger, parce que c'est un des critères importants, c'est qu'il se morde en plus d'être en danger. Et du coup, on va exercer ça à l'extérieur des murs de... d'ici, quoi, tout simplement. Donc voilà. Alors, Petra. Qu'est-ce qu'il y a, Petra? Ah oui, une petite scène. Petite scène pour monter un peu son grade, parce que Petra elle est quand même assez... Moi je la trouve assez cool, franchement cool. On arrive à quoi? Très bien. Bon, je l'ai pas trop les gars, parce que... Ce qui est important c'est juste du moment que je dois participer. Je pense que quoi que vous fassiez, ça lui ferait plaisir. Remporter des combats, c'est important. Je pense ça. Voilà. Lui, il est comme ça. Il s'en fout les cadeaux. Lui, il est en mode, je veux que vous soyez meilleur sur le combat. Comme ça, je vous parlerai pas en combat. Parce que même si Riva, il a l'air d'être un peu cœur froid et tout ça, ça le fait chier de perdre des gens quand même. De son escouade et puis voilà. Quoi. Très bien. Donc là du coup on va augmenter le rang de Petra. On gagne compétence obtenue mort subite. D'accord, très bien. Faudrait que je regarde de mon côté ce que ça fait tous ces trucs. Le problème tu vois quand tu fais ça, bah c'est que tu reviens en... Je sais pas, il te ramène dans le menu de base, on va dire. Dans le lieu de base. Bref, nous ce qu'on veut c'est la suite avec Eren, avec tout ce qui va se passer. Normalement ça part en slip. En slip. En cacahuète. Tout ce que vous voulez. Hop là, lui, rang supérieur, autorité plus 3, c'est intéressant, même si j'ai un autorité plus 5 grâce à Armin. Lui, Gunter, il va aussi gagner quelque chose, je pense. Ça serait santé plus 3, je pense que c'est intéressant d'avoir plus de santé quand même en règle générale. Et Eren, donne tout ce que tu as parce que moi je suis tout cœur avec toi. Et oui Eren, et oui. Et du coup, Levi, on y va. On va aller voir ce qui va se passer. Normalement, ça va partir en slip. Mais. Je vous en dis pas plus. On y va. Voilà. C'est un peu l'épisode d'aujourd'hui. Hein. Ça se base sur Eren et sa transformation. Sur le contrôle de sa transformation qui est très importante pour le bataillon d'exploration, comme vous avez pu le comprendre. Puisque Eren a pu garder Eren avec lui. C'est pas pour rien. C'est parce que. Imaginez avoir quelqu'un comme ça qui puisse se transformer et se battre contre les autres titans sans qu'il y ait de dommages collatéraux. C'est quand même assez intéressant. Vous pouvez en témoigner, ça c'est sûr. Donc vous comprenez exactement pourquoi Levi a un peu peur, parce que bon, si Eren se transforme en titan, on a pu voir que c'est pas un titan comme les autres, hein. C'est pas un titan qui se tendine et tout, c'est un titan qui a l'air d'être, comment dire, totalement sûr de lui, une capacité physique un peu hors norme par rapport aux autres titans, hein, qui sont un peu gros, un peu petits, un peu maigres, un peu touille, tu vois. Attirer l'attention des titans, ok. Ça va partir en slip. On a l'habitude de combattre les titans, mais ça ne devrait pas forcément dire qu'on peut te protéger. Là, la situation, si tu veux survivre, tu dois te préparer à te battre. J'espère que tout ira bien. Je suis prêt à lancer. On va dire ça parce que je suis pas censé savoir qu'il va pas très bien et tout. Je sais qu'il stresse un peu. Ah, ils le font comme ça. Putain, c'est nul.
エレンが確実に命の危険を感じるように状況を整えたし、演出もバッチリぞ。巨人を目の…そもそも私の盾だ仮説が間違…しかし、万が一、エレンの能力が…くそ!これは…とりあえず、今回は撤収作業に移ろうか。エレンはここで少し休んでて。 Ouais, ça je me rappelle à peu près. Nande, ah oui, je me rappelle cette scène. なぜ今許可もなくやった。答えろエレン。どういうつもりだ。兵長、エレンから離れてください。落ち着けと言っている。離れるのはお前らの方だ。あれを見ろ。まずはあいつらを何とかするのが先だ。 C'est juste, il avait pas fait exprès ce son. Ah, je me rappelle plus la raison exacte. Il y avait un truc. Bon, les gars, c'est parti pour du combat. Ça nous faisait plaisir, ça faisait. Très bien, ça faisait longtemps. シマツしてやる。やるよ。シュート半端に巨人化するなんて。これは。これは。俺たちが巨人を倒す間、お前はそこでじっとしていろ。あの巨人。あ、今ショペン。まさか。 On se calme. Amsi est taré. Elle nous sort des petits cris de. エレンと一緒にいるなんて大丈夫なの。よっと。この状況でもやることは一緒。私たちの脱出するしかない。オルウル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 
Elle est folle celle-là. Oh. Il m'a chopé alors que j'étais derrière lui. Angle mort qui me chope. Oh, gentil. Double attaque spé. Putain, là il s'est transformé en moitié. C'est trop tard. J'attends, les gars. Nickel, ça. C'est beau, hein. C'est bon, ça. Par là-bas. Il me semble que c'est là. Chou. Attends, on chope les deux derniers. Aussi, c'est un petit musclé. Hein. Il résiste un petit peu plus. Bien, mais j'enchaîne. Allez, y va. Je lis pas malheureusement ce qui se passe derrière, mais je pense qu'il est tout intéressant. Hein. Je suis tout le monde dans ma quête. Ah, c'est fait, mon gars! On va tous les tuer! Nickel, on l'a chopé celui-là. Quel coup de bras. Ça s'est relevé, hein. Les gars, nous étions un bordel ici. Oh le bordel.
Tout ça à cause de lui. Eh oui, mon gars. C'est bon, mon gars. Eren, il est là. Eren, il est transformé. Et là, ça va péter des mers. Merde. Ah si, je suis pas au bon endroit mais c'est pas grave. On fait le tour. Putain, Simon. Voilà, c'est bon, on y est. Tain, il est défoncé. Nickel. Punaise. Ah, des grands déviants. Attention, là par contre, ça déconne. Zéro. Il va se battre contre les gros. Tape-le. Il se défonce. On met tout, tu sais. On met tout en même temps. Parfait, ça. Putain, il se fait démonter. Le problème, c'est que du coup, on se fait gêner par Eren. Il démonte sa gueule. Ah. Bordel. Oui, démonte-le, démonte-le. Je te laisse faire. Hein. C'est bon. C'est bon, nickel. Putain, Eren en titan, il fait terriblement mal. C'est pas fini. Hein. Je suis, hein, visiblement, parce que je connais les bails. Non, c'est là-bas. Allez, tu peux le faire. On y arrive, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Ah.
Nickel, on l'a eu. Il est où Eren encore? Putain, il s'est fait échec. Merde, attends, là je suis en train de me faire. Il se fait ramasser des boulets, rien n'a ciré. Ok, on a enfin réussi à finir. Ouf. すみません。巨人になる力を使いこなせない。そうだ。お前が巨人の力を操れないとなると、命令だ。なんとかしろ。とはいえ、巨人化するための条件はなんとなく分かってきたぞ。自傷行為だけじゃ不十分なのは最初の実験で判明した。何度試してもダメだったのに、エレンは突然巨人化した。 実験との相違点を考えると、おのずと巨人化の条件が見えてくるはずだ。君は何だと思う？それが無関係だとは思わない。まだ断定はできないけれど、おそらく自傷行為に加えて何かしらの目的を持つことが必要なんだと思う。目的ですか？最初は 包帯を拾うという何気ない目的で右腕だけが巨人化してしまった。けど、2回目はどうだった？巨人に食われていくみんなを見てらんなくて。そう、それだよ。より明確な目的を持ったことで完全自我を維持できなかったのは残念だけど、大丈夫。 Ils sont pas très chauds, mais bon. Je peux comprendre. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. 私たちはあなたを頼るし。Parfait ça comme épisode. Et Eren par contre quand il se bat, il a clairement pas le temps. Nickel, on a fait ce qu'il fallait comme d'habitude. On n'arrive pas à faire S en tuage de titan, mais c'est pas grave. On va se rapprocher, on se rapprochera petit à petit. Il faut faire 50 kills, je pense, un truc comme ça. Mais bon, du coup tu perds du temps aussi. Très bien. Bah écoute, ça avance bien, voilà, tout simplement. Je sais pas combien de temps de jeu on est, enfin à l'heure actuelle, pourcentage de temps de jeu. Je pense qu'on se rapproche, petit à petit. Ça va s'accélérer je pense au bout d'un moment, mais... Là pour l'instant je reconnais vraiment l'anime de bout en bout. Et du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. On a 30. Oh putain, ça augmente encore. 31. Je lis en haut là, les ailes. Bref, parfait. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. C'est un peu plus court que d'habitude. Mais il n'y aura pas trop de trucs à couper, je pense. Ça s'est un peu focalisé sur Eren et le fait qu'on puisse se battre avec lui. Parce que pour l'instant, c'est, en fait, c'est un peu la première fois qu'on se bat avec lui. Vu que les autres fois, on se battait avec lui, mais bon, à distance quoi. Et il se contrôlait pas trop. Là, on pouvait plus ou moins se battre avec lui. Bon, le problème quand il se bat, c'est que. Au moins il pète les barrières, enfin les espèces de... Ouais, le première barre de vie au gros titan déviant là. Du coup c'est pratique, parce qu'on peut du coup derrière le défoncer. Le problème c'est que, vu qu'il est fou en rage, il peut pas forcément prendre son aise pour tuer le titan. Mais après, bon, on a les alliés qui sont avec nous, qu'on peut lancer facilement. Je pense que c'est ça que je ferai la prochaine fois, mais c'est vrai que si on a Eren tout le temps avec nous, c'est un peu plus facile maintenant à voir ce qui se passera. Je pense qu'à un moment, il y aura des gros titans qui seront là pour immobiliser un petit peu Eren. Pendant ce temps que nous, on ferait des combats contre des titans du même style. Mais à plusieurs, hein, contre lui. Je pense qu'il y a un truc comme ça qui va se passer. Maintenant, j'espère toujours qu'on puisse peut-être se transformer, mais je pense pas. Hein. Ça sera un peu abusé. Bref, on verra bien. Bon, je vous dis à la prochaine, c'était Pyrux. Là, j'ai tourné, donc, comme vous le sentez peut-être, ou vous l'avez vu et remarqué, les trois épisodes avec celui-ci et deux précédents au même moment. Du coup, normalement, vous aurez des épisodes dispatchés comme il se doit durant la semaine. Vous aurez du Bleach, soit qui est déjà sorti, soit qui va sortir aussi. Et du Pokémon, comme chaque dimanche aussi, il y aura le match. Bref, moi je vous dis à la prochaine. C'était Pyrux.
laisse un gros like comme d'habitude pour cet épisode et à la prochaine. Ciao ciao.